Bonjour à tous. Je suis Maurice Lucassard, représentant régional DMAI AMI pour l'Afrique de l'Ouest francophone. Donc, j'ai pour mission d'aider AMI à renforcer singulièrement sa capacité et sa présence auprès des entreprises et des entrepreneurs des pays francophones, et puis d'une façon générale de faire grossir, d'amplifier l'impact que nous pouvons avoir sur les écosystèmes d'entrepreneuriat. Depuis maintenant plus d'un an, la crise de la COVID-19 a eu un effet dévastateur sur les PME partout dans le monde et en Afrique tout particulièrement. Au cours de l'année 2020, AMI a accompagné plus de 2000 PME à travers l'Afrique pour les aider à surmonter la crise sanitaire et ses défis. Bien sûr, pour le faire, pour faire cela, nous avons eu besoin d'ajuster notre méthodologie, tout comme les entreprises ont eu à s'ajuster à situation exceptionnelle, méthode exceptionnelle. Et l'exceptionnel étant en train de devenir le normal, je vais partager au cours de cette masterclass quelques apprentissages que nous avons pu tirer de cette aventure et puis quelques perspectives sur l'accompagnement à grande échelle des PME grâce à la formation à distance. Tout d'abord, en deux mots, qui est AMI? Donc, African Management Institute, nous sommes une entreprise sociale. Panafricaine. Nous accompagnons des organisations à travers toute l'Afrique en vue de les faire grossir grâce à des formations et puis grâce à des outils pratiques qui favorisent la mise en œuvre. L'objectif commun de ces programmes, c'est d'aider les entreprises à développer les habitudes de travail dont elles ont besoin pour réussir. Nous croyons fermement que des équipes bien outillées et bien formées compétentes sont les clés de la performance des entreprises et que la performance des entreprises est la clé de la création d'emplois décents partout sur le continent. Donc, en quelques chiffres rapidement, donc AMI fondée en 2014, plus de 30 000 personnes formées, dont 20 000 PME, donc soit deux tiers de notre portefeuille. Nous sommes présents au Kenya, au Rwanda, en Afrique du Sud, en Ouganda, au Sénégal. Et grâce à cela, nous avons pu déployer 80 programmes à travers 36 pays africains, en anglais, en français, en Kinyarwanda, en swahili et en arabe. Et les téléchargements d'outils pratiques, donc de nos outils, des applications pratiques, nous en avons enregistré plus de 1 500 000. Nous accompagnons des entreprises de tous les secteurs, avec des niveaux de maturité différents. Et pour déployer nos programmes, nous mettons en place, nous faisons une large part aux partenariats, donc institutions financières, fondations et agences de développement, les États, le secteur privé, les universités. Donc, c'est une approche que nous voulons innovante et qui privilégie la pédagogie active et la mise en œuvre pratique et directe de nos enseignements en contexte d'entreprise. Et donc, cela est favorisé par notre vaste plateforme en ligne et par nos applications mobiles. Et voilà donc, à peu de choses près, la panoplie des outils que nous avons mis en œuvre pour accompagner des milliers de PME et les aider à faire face à la crise de la COVID-19. Et qu'est-ce que nous avons appris au cours de cette année 2020? Historiquement, AMI offrait des programmes hybrides. Donc, avec des ateliers interactifs et en présentiel, et une large part d'apprentissage asynchrone à travers notre plateforme. Le défi, donc, pour nous a été de passer à 100% en ligne pour nos différents programmes, sans pour autant perdre, ça c'est un clé, c'est pardon, c'est un enjeu majeur, sans pour autant perdre les avantages et les atouts de la méthode hybride. Voilà, il s'agissait de faire du deux en un en un. Voilà. Et donc, voici ce que nous avons appris en essayant de nous ajuster donc pour délivrer nos formations 100% en ligne. La tech, première leçon, la tech peut s'avérer en fait le moyen de sauver les PME et les startups. Deuxième leçon, le passage au virtuel peut permettre de résorber les déséquilibres du genre. Troisième apprentissage, l'état d'esprit de l'entrepreneur compte vraiment. Et dernier apprentissage, il y a une corrélation entre le niveau de renforcement des capacités à distance
et le déficit de financement des PME et des startups. Première leçon donc, le recours à la tech et le passage au 100% virtuel présente une véritable valeur ajoutée pour les startups et les PME. À titre d'illustration de ce constat, donc, je vais vous présenter trois mesures et demie. Donc, la première mesure, donc, dès la fin mars 2020, nous avons mis en place une série de programmes appelés Bootcamp de survie pour les entreprises. Donc, c'est un programme court, un mois, et gratuit. Et l'objectif, c'était d'aider ces entreprises donc, à identifier les risques à court terme pour leur activité, à trouver des solutions pour réduire leurs coûts et à faire des prévisions de flux de trésorerie grâce à des outils simples et pratiques. Donc, l'idée derrière donc, ce bootcamp-là, c'était d'augmenter leurs chances de survie, la chance de survie des entreprises, et de les aider à conserver le maximum d'emplois. Nous avons eu plus de 1500 inscrits dès les premières semaines. Nous avons pu délivrer donc 35 sessions au cours des mois qui ont suivi. Et à ce jour, il y a eu plus de 30 000 PME accompagnées via les bootcamps. La deuxième mesure, donc rapidement par la suite, nous avons mis en place un programme que nous avons appelé Survivre et Prospérer, qui est plus long, un programme de 6 mois, et qui est un programme à 100% virtuel pour aider les entrepreneurs, d'une part, à naviguer dans la crise, d'autre part, à identifier les opportunités de croissance et enfin, à conduire le changement. Une troisième mesure que nous avons mise en place, nous avons mis en place donc un réseau qu'on a appelé le réseau Thrive, donc Prospérer, qui est un réseau ouvert à toutes les entreprises qui le souhaitent, qui souhaitent avoir des conseils et des outils pratiques pour faire face aux défis de la crise. Et ce que j'appelle la demi-mesure, c'est que à l'occasion de nos divers programmes, nous avons saisi donc l'opportunité pour aider de nombreuses SAIE, donc des sociétés d'accompagnement de l'entrepreneuriat innovant, donc les aider à passer en ligne et à dispenser leurs services de façon virtuelle. Donc, et quels résultats donc, avons-nous pu recueillir de ces différentes initiatives? Un, le passage au 100% virtuel nous a permis d'accompagner directement 8 fois plus d'entreprises qu'initialement prévues pour l'année. Dans le même élan, nous sommes passés de 15 à 36 pays où nous avons pu dispenser nos programmes. Cela a eu pour effet, induit d'ailleurs, d'augmenter de façon exponentielle les opportunités de collaboration B2B pour nos participants. Enfin, les participants à nos programmes, et tout particulièrement au programme long Survive to Thrive, donc Survivre et Prospérer, montrent des taux d'engagement supérieurs ou égaux à ceux observés par le passé dans les programmes hybrides. La recette, pensons-nous, pour un programme virtuel réussi, c'est d'abord la structure. Les cours en libre accès, on le sait, présentent des taux de complétion très très faibles à travers le monde, moins de 10%, de l'ordre de 10%. Donc, un programme virtuel, pour avoir des chances de réussir, doit conjuguer et manager à la fois les contraintes de temps et puis les fluctuations de motivation des participants. Et donc, cela, c'est un ingrédient vraiment clé qui est vraiment à la base de la réussite. Deuxième point, l'engagement est un élément. À distance, il est important d'avoir une personne qui présente le visage du programme, une sorte de chef d'orchestre qui anime les discussions et qui assure la cohésion du groupe. Donc, chez EMI, chaque programme est placé sous la responsabilité d'un chargé de programme dédié, donc qui prend en quelque sorte la responsabilité de la réussite du programme pour chaque participant. Enfin, la personnalisation. Comme nous le savons, les entrepreneurs n'ont pas le temps, par définition. Donc, ils ne sont intéressés que si ce qu'ils apprennent est directement applicable à leur situation, et d'application raisonnablement commode, notamment grâce au soutien des outils pratiques. Notre apprentissage numéro 2, c'est que le passage au virtuel constitue une formidable opportunité pour résorber les déséquilibres du genre dans l'accès
au renforcement des capacités. La crise actuelle, donc nous le savons, frappe d'une façon disproportionnée les femmes, les entreprises dirigées par des femmes, et tout particulièrement les PME. Ces entreprises-là ont tendance à fermer plus facilement. Et les secteurs à forte dominance féminine se sont retrouvés plus touchés par la crise. En Ouganda, par exemple, 61% des PME à dominante féminine ont échoué à générer des revenus contre 22% des PME à dominante masculine. Et très souvent, les femmes doivent essuyer la tempête des effets de la crise tout en prenant soin de la famille ou de la communauté. Donc, ce qui implique un temps de travail et de disponibilité même mentale réduit. Or, d'une manière générale, même avant le début de la crise, les femmes avaient un accès comparativement réduit au renforcement des capacités. Donc, vous avez là quelques chiffres de l'OIT que je vous laisse découvrir. Selon l'OIT, la raison majeure de cet état de fait serait une moindre connaissance des dits services par les femmes. Donc, dès lors, c'est essentiel que les organisations de soutien aux entrepreneurs prennent en compte de façon active et spécifique les besoins et les contraintes des femmes entrepreneurs, en Afrique notamment, lorsqu'ils développent des programmes de renforcement de capacité. Chez EMI, d'une façon générale, les femmes ont toujours représenté un pourcentage important de nos programmes, donc en moyenne 43% sur les 7 dernières années. En général, elles font preuve de plus d'engagement, démontrent des taux de complétion de programmes ou de téléchargement des outils ou même de présence aux ateliers virtuels supérieurs à ceux des hommes. En revanche, nous avons remarqué, hélas, que les femmes aussi ont tendance à arrêter un programme après l'avoir commencé plus facilement que les hommes, donc pour les programmes en ligne. Donc actuellement, nous essayons de travailler donc à comprendre vraiment de façon fine et selon les variations de contexte les raisons de ce type de blocage, et ça nous permet d'ajuster les différents programmes chemin faisant. La clé d'un programme réussi pour les femmes entrepreneurs, d'abord, et avant tout, la flexibilité, pensons-nous. Il faut permettre aux femmes qui participent de s'organiser pour gérer leur vie professionnelle, plus leur vie personnelle, leur vie familiale, etc. Deuxième ingrédient, le soutien des pères et l'opportunité de rencontrer d'autres entrepreneurs, hommes ou femmes d'ailleurs, est un élément qui est décisif pour le succès d'un programme. Et troisième point que nous avons identifié, la possibilité de permettre aux femmes entrepreneurs de développer de façon ciblée certaines compétences qui peuvent être l'apanage des hommes dans certains contextes sociaux, par exemple la négociation ou la prise de parole en public. Et tous ces points, nous avons pu le voir, peuvent être renforcés grâce au caractère virtuel des formations. Mais bon, tout ce que je dis là sera a priori mieux dit par les intéressées elles-mêmes. Donc, je me permets de partager avec vous le témoignage de Viviane à cet effet, une femme entrepreneur que nous avons eu la chance d'accompagner en 2020. Salut, my friends and family, that I, Gusée Viviane Kobunde, am African Entrepreneur of the Month. Courtesy of AMI Survive to Thrive program. And I did it while being as busy as all other persons. If I can manage my time and be on these programs and learn and contribute. You know, sometimes I'm online or I go for a course and I tell myself, okay, I'll just go online, but I'll just look. The next thing, I'm drawn in, I'm being engaged, I'm relating, I'm sharing, I'm learning from others. So as an entrepreneur, besides starting something, besides carrying that idea and making it into something you are doing practically, the next most important thing is capacity building.
And sometimes you don't even know you lack capacity until you get on a program like Survive to Thrive. So the Survive to Thrive program is widening your horizons mentally, is making you rethink yourself, your business, your people. So every entrepreneur should enroll and should look out to improve themselves, to learn more, to keep learning and growing. There is always a higher step. Once you get to a certain level, you realize, oh man, I need to go higher. I need to go further. There is more I can do. There's more I can be. And you cannot do all of this with just a little knowledge you have. You have to be empowered. La transition est toute trouvée pour notre apprentissage numéro 3. L'état d'esprit compte vraiment. Vraiment. De multiples recherches sur les liens entre la psychologie et l'entrepreneuriat montrent un lien entre la santé psychologique et le mental des entrepreneurs d'une part et les résultats de l'entreprise d'autre part. D'une façon très intéressante, TechnoServe a démontré une corrélation positive entre le soutien psychologique reçu par l'entrepreneur et le taux de survie des entreprises concernées. Par chance, chez AMI, l'un de nos cofondateurs, Jonathan Cook, se trouve être psychologue de formation. Donc, cela nous a permis assez facilement et très rapidement de mettre en place un programme gratuit de méditation pour les entrepreneurs. Donc, il s'agit essentiellement de séances de pratique quotidienne de relaxation qui visent à leur permettre de mieux appréhender leur journée. Devant le succès et les centaines de participants au quotidien, nous avons décidé d'étendre l'initiative. Donc, grâce au virtuel, en passant au podcast. Une autre curiosité, je la mentionne juste, c'est que depuis le début de la crise, l'un de nos programmes les plus populaires, c'est le programme sur l'intelligence émotionnelle, avant même les programmes de gestion de risque ou de trésor. Donc, ça illustre bien, je pense, notre troisième leçon. Donc, nous arrivons au terme de notre séance avec un quatrième apprentissage que nous voulons partager. C'est la réalité du lien entre le renforcement de capacité et le déficit de financement des PME. La tragédie des PME est bien connue et bien documentée. Donc, elles sont trop grandes pour avoir accès auprès de microfinances et souvent trop petites pour lever des fonds ou emprunter auprès des banques. Avant même la crise, le déficit évalué en matière de besoins de financement des PME, était de 930 milliards de dollars. Et bien sûr, la situation n'a dû faire que s'aggraver durant la crise. Donc, nous pensons que les PME ont besoin de modèles de financement flexibles, accompagnés d'appui technique, pour leur permettre de se développer, de s'ajuster et de faire face aux différents obstacles. Donc, les alumni de nos programmes, donc ceux qui ont suivi nos programmes par le passé, confirme ce besoin. 88% d'entre eux nous rapportent avoir un besoin de prêt inférieur à 50 000 $. Donc, c'est pour cela que chez AMI, nous pensons donc que l'offre de renforcement de capacité doit être construite de façon à permettre à ces PME de franchir le financial gap, le fossé pour l'accès au financement. Et pour cela, nous avons identifié trois axes majeurs d'action. D'une part, la mise en relation avec les financeurs potentiels. D'autre part, la réduction du risque crédit pour le prêteur, donc grâce au support en management et en business development apporté à la PME. Et enfin, la collecte et l'analyse fine des données comportementales, parce que cela peut permettre d'adopter des mouvements de credit scoring qui ne sont pas les modèles traditionnels et donc qui permettront à des PME d'avoir accès au financement sur la base, sur des bases comportementales. Donc, les programmes virtuels, donc nous l'avons vu, permettent d'une part de multiplier le volume des PME accompagnées et d'autre part de surmultiplier le volume et la quantité et la qualité des données que nous pouvons collecter donc pour à cet égard. Donc, voici très rapidement les premiers résultats sur 2021. Donc, vous pouvez le voir. Pendant que nous poursuivons le déploiement, nous continuons à étudier, donc bien sûr, toutes ces questions de façon à affiner nos programmes. Donc, en conclusion, vous pouvez nous joindre. Bien sûr, il y a un rapport. Vous avez ici le lien sur le rapport complet, donc sur les apprentissages et les personnes que vous pouvez contacter
chère Maï, pour poursuivre la réflexion sur ces questions vraiment intéressantes et décisives. Et donc, je conclue en disant bonjour Marseille, bonjour à tous mes amis de France et allez l'OM!